Eh bien, cette rencontre, nous allons la suivre en direct, mais elle sera précédée d'une minute de silence que les acteurs de ce match et tous ceux qui sont présents ici au stade de la Mosson respecteront à la mémoire du petit Mathias, le fils de notre ami Johan et de sa compagne Farah qui nous a tragiquement quittés la semaine dernière. Nous avons une pensée pour Mathias et pour ses parents Johan et Farah. Cette minute de silence précédera bien sûr cette rencontre de la 26e journée de championnat de Ligue 1 entre donc le Stade Rennais et de Guy Stéphane et de Julien Stéphane pardon et de Michel Derzakaria, la formation Montpellier-Rennes, avec donc cette grosse pensée pour le petit Mathias et nous l'espérons, les Montpellier-Rennes de Michel Derzakaria qui seront honorés par un succès, parce que ce succès bonifierait plus encore celui obtenu la semaine dernière à Lyon, qui a fait sensation et qui a véritablement relancé l'équipe de Michel Derzakaria. Une belle entame d'après-midi, nous l'espérons, face à cette redoutable équipe de Rennes qui, comme chacun le sait, au niveau athlétique, gabarit est certainement l'une des plus musclées, l'une des plus costauds de la Ligue 1 avec celle du SCO d'Angers. Eli Wahi sera donc le titulaire à l'attaque avec Gaëtan Laborde et Stéphie Mavididi. Voilà. Deux formations qui sont séparées de 3 points. Les Rennais sont 5e au coup d'envoi de cette partie. Nous sommes 8e et nous pouvons recoller comptablement donc à la formation bretonne dans le meilleur des cas. Et j'espère que ça va bien se passer en dépit, bien sûr, de l'absence toujours préjudiciable d'Andy Delors sur blessure. Il n'est pas le seul absent de l'effectif montpellierain. Mihailo Ristić aussi, qui a ressenti une légère contracture à la cuisse à Metz, à Lyon, et qui lui aussi, par mesure de prudence, a été laissé au repos ce dimanche. Wahi avec Mavididi et Laborde en pointe, Mollet, Ferry, Savanier au milieu de terrain, ça c'est le trio magique, et puis la défense composée cet après-midi de Vitorino Hilton, associé à Daniel Congré dans l'axe, Nicolas Cosa couloir gauche, et Junior Sambia couloir droit. René vont démarrer ce match avec Da Silva Aguerd dans l'axe, avec Truffert à gauche et Traoré à droite. Au milieu du terrain, il y aura Bourigeaud, l'ancien Montpellierain Jonas Martin et l'international Stéphane Zonzi. Trois attaquants, Guirassy, Terrier et Doku.
Allez, on va rentrer le plein pied maintenant dans cette rencontre porteuse de beaucoup d'espoir hein, pour les Montpellierains qui vont vraisemblablement tout faire pour la remporter, ce qui nous relancerait, qui nous intéresserait à nouveau à la partie pour la candidature à une place européenne. On l'appelle, on l'espère de nos voeux, bien sûr. La 7ème, elle est là! Donc je vous félicite. Joué les mecs. Congratulations, Stéphie. I'm very happy for you. Zigzag, zigzag! Zigzag, zigzag! Zigzag, zigzag! On sait, Rennes, c'est une très bien équipe, toujours dangereux, aussi dans la première mi-temps. Mais on fait notre but dans la première mi-temps. Et on peut peut-être un peu plus le penalty et le jeu, c'était Gaëtan. C'est un peu long après le match, c'est seulement 2-1 avant, mais ça va enfin, c'est 3 points, c'est très suffisant.